Ouais! On commence! La musique, tu te tais. Voilà. Tout calme, la musique. Tout calme. Ça. Ouais, on peut le virer aussi. On peut passer sur le jeu. Wouhou! Final Fantasy VII. Avec le son du jeu, ça marchera mieux. Ah. Ça devrait être bon. Bon, alors aujourd'hui on va faire de l'histoire. Attendez. Ah non, c'est bon. Je vérifiais que tout était bon. Ça, je l'enlève. Ça, je peux l'enlever. C'est quoi ça? Ça, c'est le truc. Ça, c'est le jeu. Ça, c'est Discord. Vite fait, quoi. Discord, j'en sais rien. On va éviter de passer sur du Discord, mais bon. Alors. Je rappelle l'histoire à ceux qui n'étaient pas là. Et ça me rappellera à moi-même. On a récupéré l'avion. L'avion bateau. Le bavion. Le bavion. Ou le hafto. Ça dépend dans quel sens vous voulez le faire. Le bavion ou le hafto. Donc on est sorti. Attendez. On est sorti du mont. Du mont. Pas du mont. Mont Corel, non, on a été à la cité fusée. On a récupéré le bavion ou le hafto. Voilà, c'est comme on veut, toujours. Après, on a été dans la maison. Enfin, moi, j'ai fait du farming. Et dans la maison en face, il nous dit, ah là là, la clé de pierre se trouve au Gold Saucer. Le Gold Saucer, c'est ça. Donc, eh ben, on va au Gold Saucer. On y va. La situation est mauvaise. Eh gars, il n'y a pas moyen de traverser maintenant. Donc, il faut qu'on y aille à pied. Et comme dans le désert, on peut pas y aller à pied, il va falloir qu'on passe par Corel. Youpi. En même temps, on fait des combats. Et puis voilà. C'est un résumé approximatif même du jeu, de ce qu'on a fait. Ah oui, étant donné que Don Cornetto est mort, va falloir que je redonne cette voix à quelqu'un d'autre. Oh. Sinon, ça serait pas drôle si cette voix que tout le monde a aimée, on la redonne pas à quelqu'un. Ah, ok. Alors, on pourrait dormir à l'auberge aussi, pour se soigner. Je vais regarder les limites, on en est où? Je sais plus. Alors, limite, Cloud. Il faudrait qu'il fasse Klimsar, ok. Lui, il faut qu'il fasse Dansant, et elle, il faut qu'elle fasse Tranquille Claire, ok. Hop, hop, le bot il fait son travail, tout ça. Vous me dites hein, si la musique est trop forte ou pas. Moi ça me. Pour l'instant, elle est plus ou moins bien réglée. Elle a jamais eu posé de problème jusqu'à maintenant. Donc... Ah, il y a des gens. Donc Yuffie, il faut qu'elle travaille. Rouge 13, il faut qu'elle travaille aussi. Non, Rouge 13, il doit faire juste sa limite. Et Cloud, je suis en train de réfléchir. Cloud, il faut qu'il fasse sa limite. Enfin, en gros, ils doivent tous faire leur limite. J'étais en train de réfléchir, mais finalement, ça sert à rien. Parce que Cloud, pour avoir sa prochaine limite, il faut qu'il bourrine la sienne. Yuffie aussi. En fait, non, il y a Yuffie qui doit faire du dégât en fait. Seulement.
On se souvient qu'il y avait dans le puits, il y avait une petite fille qui nous disait il y a un truc qui est coincé dans le puits. Mais je sais plus si on peut y accéder maintenant ou si c'est des potions. Ah, oh, on peut en prendre des potions. Ouais. 19 et queue de phénix, 25, 30, ouais, c'est bon. On n'a rien à vendre. Lui. Acheter. Ah, transformation. Ah, on l'a. Grenouille, mini, pétrifié, tristesse. Guéri de. 10, c'est pas mal. Voilà. De toute façon, on a un peu d'argent en base. Donc. Ça devrait être pas mal. Bijoux de charbon, voleur. Bon, après, il y a des trucs. Je suis pas sûr de l'intérêt du truc. De l'utilité de l'objet, voilà. Hein, quoi, vous voulez jouer? Non. Je te parle pas. J'ai entendu dire. Il y avait une nouvelle. J'en sais rien. Ah bon, parce que j'ai vu qu'un grand hit. Super. Oui, c'est vrai. Je crois que je devais faire un tatouage à 0. Un dollar comme moi à 0, c'est parfait. Bien sûr. Alors, le puits, il est censé être là. Après, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, le puits. De toute façon, on va dormir. Eh, hey, papy! Eh, hey, bienvenue au premier soir, hein. Ouais, on fait dodo, hein. Parce que je crois pas qu'il y ait des gros qu'il y ait un combat là-haut. Mais on ne sait jamais. Je préfère plus ou moins oula, être sûr de ce que je fais. De toute façon, faut qu'on aille au Gold Saucer. Ok. Ah merde. J'espère que sur le prochain jeu, ok, on va au Gold Saucer. J'espère, ouais, ça j'étais en train de dire, j'espère que sur le prochain jeu, il y aura pas encore de problème de synchronisation comme ça, parce que ça risque de me saouler rapidement. Parce que il y a d'autres jeux. Si tu connais pas bien le jeu, ça va être compliqué de. Ça va être compliqué. Ah. Quoi, on n'a pas le ticket? Donc on a le ticket. Normalement, on a le ticket. Ouais, en or, c'est-à-dire on peut revenir à l'infini. On n'aura plus besoin de problème. On a combien d'argent, il nous reste? 7000. Alors, on nous a dit que c'était le mec, le président Dio, et Dio. C'est au battle. Il est au battle, Dio. J'étais en train de réfléchir où il se trouvait. Je crois que c'est au battle qu'il se trouve, Dio. On peut regarder. On peut faire un coup de battle. Attends, on relit. Veux-tu t'inscrire pour un combat? Pas intéressé. Je sais plus c'est à qui qu'on regarde les prix. Ça doit être à la madame là, non? Dio Showroom, voilà, c'est ça. On la voit à la pierre.
C'est la clé de Pierre. Et voilà Dio. Dio Brando. Hé hé hé, ça fait longtemps, jeune homme. Tu aimes ça, hein? Puis-je t'emprunter ça? Hé hé hé, pardon, mais c'est pas à louer. Puisque tu as été bon avec moi par le passé, je peux te la prêter. Mais à une condition. À une condition? Hé hé hé, tu dois me divertir. Que veux-tu que je fasse? C'est ainsi. Hé hé hé, c'est pas quelque chose de très difficile. Voici la zone de combat. Montre-moi tes talents de guerre. Juste toi, jeune homme. Je m'attends à un beau combat. You touch my tralala. Voilà. Alors c'est ça la zone de combat que je voulais faire en vous montrer, mais finalement le jeu me le montre moi-même. Voilà. Enfin, au début c'est simple. Super. Continuez. Bien sûr. Démarrage de la roulette. Accessoire cassé. Alors vas-y. Mon accessoire, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est un truc qui me rajoute de la force, je crois. Voilà. De toute façon, ça va être... Ah. De toute façon, au bout d'un moment, étant donné que j'ai pas le niveau, je pourrais pas arriver à la fin. Mais au moins, on pourra... Si on peut déjà aller, je sais pas, peut-être jusque au quatrième combat ou cinquième combat, ça pourrait être déjà pas mal. Super. Bien sûr. Démarrage de la roulette. Tac. Matériel d'invocation cassé. De toute façon, on va pas pouvoir continuer. Fin du combat. Non, mais je suis à 1. Je peux pas aller plus loin. Le jeu, tu te fous de ma gueule, en fait. Non, mais... Je peux pas jouer, le jeu. Dis-moi que j'ai perdu, c'est bon. J'ai compris. Allez, voilà. Ça y est, j'ai perdu. Ah. Ça a été compliqué. Ah là là, sacré jeu. C'est donc cela. Attendez, je recommence. C'est donc cela, hein. Eh ben, une promesse, c'est une promesse. Vas-y, prends-la. Élément clé. Eh bien, nous devons nous revoir. Dio. Eh, Dio. Le mec il harcèle Dio. On a 10 points de battle, je crois. Alors, on peut regarder les prix maintenant. Quoi, j'ai 0 points. J'en ai eu 10. Remboursé. Non. Salaud, rends l'argent. Bon, on a la clé de Pierre. Je suis en train de réfléchir pour remonter. C'est le premier, c'est station, je crois. Ouais. Allez, go. Je m'excuse. Hein? Pardon, le tramway est hors de service pour le moment. Alors? Je m'excuse. Je crois qu'il faudra attendre qu'il soit complètement réparé pour partir. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est dommage, mais c'est arrivé.
Très bien, nous resterons à l'hôtel. Ils me connaissent ici, j'irai leur parler. Je vous préviendrai lorsque les réparations seront terminées. Eh merde. Bon bah... Voilà, on est obligé de rester à l'hôtel. Nous n'avons pas souvent la chance de nous retrouver ensemble comme ça, hein. Cloud, qu'est-ce que tu en penses? Peux-tu nous expliquer ce qu'il s'est passé? Je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe parce que je n'étais pas là au début. Ouais, raconte. Ah oui, Vincent, je sais plus quelle voix on lui avait foutu. Ah putain. On pourrait lui mettre la voix de Cornetto, c'est-à-dire une voix de allemande. Oui, vas-y, raconte. Voilà. Vincent, il sera allemand. Barrette. Je suis pas là depuis le début. Ah, je suis là depuis le début. Et j'ai toujours pas ce qui s'est passé. Moi non plus. Claude, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, dis-nous. Ok, je ferai de mon mieux. Nous cherchons Sephiroth. Sephiroth doit être à la recherche de la Terre Promise. La Terre Promise? Une terre pleine d'énergie Mako. C'est en tout cas ce que croit la Shinra. Je ne sais pas si elle existe vraiment. Les étrains retournent vers la Terre Promise, une terre censée leur apporter un bonheur suprême. C'est un drap ? C'est une maladie ? C'est comme ça que les anciens se font appeler. Hé, hey, tu n'as pas écouté les années au Canyon Cosmos ? Tu ne sais pas où se trouve la Terre Promise de... Tu ne sais pas où se trouve la Terre Promise des anciens. Tu chercheras et tu voyageras jusqu'à que tu le saches. Et tu sentiras que c'est la Terre Promise. Iris, tu sens ça toi aussi? Je crois que oui. Alors, Sephiroth parcourt le monde parce qu'il cherche la Terre Promise, c'est ça? C'est entre autres ce qu'il recherche. La matéria noire. Dio m'a dit qu'un homme vêtu d'une cape noire cherchait la matéria noire. Je ne sais pas ce qu'est la cape noire. Il y a combien d'hommes comme ça avec des capes noires et des nombres tatoués? Tu sais, bien sûr, mon tatouage est le chiffre 13. D'où tiens-tu ce tatouage? C'est Ojo, oui. J'ai des cicatrices de guerre, mais le numéro a été tatoué par Ojo. Un Batman. Alors, il y en a au moins 13. Tu sais, je crois qu'Ojo a fait quelque chose à ces hommes au Cap Noir. Mais je ne vois pas le rapport avec Sephiroth. C'est pour ça que je crois que nous devrions chercher Sephiroth en personne. Oui, moi aussi, j'ai tellement oublié. Pardon, oublie ça. Je crois que j'ai besoin de dormir. Je vais me coucher. Qu'est-ce que c'était tout à coup? Quoi? C'est tout? Je vais me coucher? C'est tout. Et la matéria noire? Tu ne comprends pas, même si je t'expliquerai. Tu ne comprendrais pas, même si je t'expliquerai. Maintenant, il faut agir. Nous commencerons demain. Claude. Je suis le numéro 13. Vais-je tomber dans la folie, moi aussi? Tu ne sais pas ce que t'as fait au jour, mais... Tu vas bien depuis, non? Mais... Courage! Mais je... Arrête, Rouge 13! Un peu de courage! Tifa? Il n'y a pas que toi qui s'inquiète!
Je ne sais pas ce qui se passe, mais notre situation est mauvaise. Cid, retournons à nos chambres. À mon époque, ça se passait pas comme ça. Zaljan, sortez de mon jardin. Ah mais non, mais si on peut pas rire avec Cid. Sortez de mon jardin, jeune délinquant. Rends l'argent. Oh là là. On voit très bien le décalage entre la porte et le meuble. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux un rendez-vous? Quoi? Un rendez-vous! Ou tu en as déjà un? Eh bien, pas vraiment. Non, c'est juste un... Juste un adolescent paumé. Eh bien, non, je veux pas! Non! Cette nuit sera magique! Toutes les attractions sont gratuites! Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, tous les deux? Il va y avoir un spectacle à Heaven Square! Allez, on y va! C'est pas moi, j'ai rien touché, hein! Félicitations! Vous êtes notre 100e couple aujourd'hui! Vous tiendrez tous les deux la vedette dans le spectacle de ce soir! Ouais! Comment? Oh, maintenant, c'est facile! Joue simplement comme tu le sens! Les autres acteurs te couvriront! Viens par ici! Ça a l'air chouette! Allez, Clark, on essaye! Eh merde! Ah là là. Un jour, il y a longtemps de cela, une ombre menaçante est apparue au-dessus du paisible royaume de Galdia. La princesse Rosa a été kidnappée par le méchant roi dragon. Vados, que va-t-elle devenir? C'est alors que le héros légendaire Alfred fait son apparition. Je sais pas quelle voix on va lui foutre, chevalier. Oh, tu es certainement le héros légendaire, Alfred. C'est toi? Oui, toi. Oh, tu es certainement le héros légendaire, Alfred. Je le sais au plus profond de moi-même. S'il te plaît, sauve la princesse Rosa. Maintenant, va parler au roi. Légendaire, en fait, tu es venu sauver ma bien-aimée Rosa. Au sommet d'une dangereuse montagne réside le méchant dragon, roi dragon, Valvados. Qui a kidnappé la princesse Rosa? Mais tu ne peux pas vaincre le méchant roi dragon maintenant! Adresse-toi à quelqu'un qui pourra t'aider! À qui vas-tu parler? Au magicien ou au soldat? On choisit qui? C'est un roi dragon, donc techniquement, en tapant dessus, ça marcherait, mais on va faire magicien, parce qu'on n'a pas eu de magicien. Faut que je trouve une voie de magicien, attends. Je suis le plus grand des magiciens, Vorman, que veux-tu savoir? Les points faibles du... les mensurations de la princesse. Oh, que va-t-il se passer? Oh,
Oh, que va-t-il se passer ensuite? Oh, héros légendaire, regarde! MDR. MRD. Méchant roi dragon! Tu oses ignorer le méchant roi dragon? Grah, wow. Je suis le méchant roi dragon, Valvados. Je n'ai fait aucun mal à la princesse. Je t'attendais, toi. Je t'en prie, aide-moi, héros légendaire. Psst, comme ça. Qui est ton ennemi? Dis-le. Ce soldat. Allez, rien de plus. Arrête, Kat, qu'est-ce que tu fais? Cette pièce est une catastrophe. Gah, tu oses m'ignorer. Mais... mais tu vas te taire, espèce de publette! Oh, par exemple, cette princesse est incroyablement en forte. Alors, le nouveau héros légendaire, Rosa, et notre histoire finissent bien, tout compte fait. Ouais, on est parti un peu sur le sud de la France. Tu vois, un peu cher. On a pourri la pièce. Oh, c'est marrant. Hé, allons sur la gondole. Ouais, en gros... Deux, s'il vous plaît. Voici vos tickets. Alors, détendez-vous et profitez du spectacle du Gold Saucer. Waouh, c'est joli. Sans les mains! On va éviter de pourrir les cinématiques. Hein. Oh, regarde, Claude! Ouais, vas-y, les chocobos! Cours, chocobo, cours! C'est très joli. Ah, c'est stylé quand même le Gold Saucer. Hein. Chaque plateforme, c'est une attraction. C'est magnifique, tu ne trouves pas? Au début, notre ressemblance me gênait beaucoup. Votre ressemblance, deux personnes complètement différentes, mais qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ta démarche, tes gestes. Je pense que j'ai dû le revoir à travers toi. Mais tu es différent. Les choses sont différentes. Claude, je te cherche. Je veux apprendre à te connaître. Mais je suis ici. Je sais, je veux dire. Je veux te connaître mieux. Voilà. Bienvenue chez Gros Chocobo. J'ai beaucoup aimé ce soir. J'espère qu'on sortira encore ensemble. Si tu n'aimes pas être avec moi. Tu n'aimes pas être avec moi? J'adore. Oh, arrête de me taquiner. Oh, regarde-le, nous ferions mieux de rentrer. Oh.
café, Kaishit. Ce ne serait pas la clé de pierre par hasard? Hé, Kaishit! Hé, Kaishit! Hé, Kaishit! Mais reviens! Reviens là, tas de con! Il s'est barré en plus! Alors, où est-ce qu'il pourrait être? Je me demande s'il n'est pas là-bas. Nous n'avons pas le temps pour ça. Dépêchons-nous de retrouver Kaishit. Je dirais par là. Allons gagner des tas de GP. Allons gagner des tas de GP et allons nous amuser. Ah, il est parti à Event. Non, il n'est pas parti là. On va recommencer, attends. On va suivre le chemin et tout. Là, il est parti à Speed. À Wonder. Je crois qu'il est parti à Chocobo. Oui, c'est ça, il est parti à Chocobo. Chocobo. Mais reviens là! Eh, ici! Venez! Bien joué! Eh! Je ne savais pas me mettre à courir, ni même me cacher. Oui, j'étais un espion, j'ai été chassé par la Shinra. J'avais confiance en toi. Je ne peux pas te croire. Je n'y peux rien. Et si on continuait comme s'il ne s'était rien passé? Sans façon. Tu as vraiment un sacré culot d'être resté avec nous tout ce temps, alors que tu étais un espion. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Me supprimer? En toute chose, vous perdriez votre temps. Ce corps n'est rien d'autre qu'un jouet. Mon véritable corps est au quartier général de la Shinra à Mikar. C'est de là-bas que je contrôle ce chat en peluche. Alors, tu es aussi vérisé à la Shinra? Qui es-tu? Dis-le-moi! Oh là, je ne peux pas vous dire mon vrai nom. On n'avance pas. C'est vrai, je vous l'avais dit. Discuter ne servirait à rien, alors pourquoi ne pas continuer simplement notre voyage? J'ai l'air de plaisanter. Je suis employé par la Shinra. Mais nous ne sommes pas complètement des ennemis. Il y a quelque chose qui me tourmente. Je pense que c'est votre manière de vivre. Vous n'êtes pas payé, vous n'avez aucune reconnaissance. Et pourtant, vous continuez à risquer votre vie et vous poursuivez votre voyage. Tout ça me fait... Cela m'oblige à réfléchir à la façon dont je vis. Je ne pense pas que je me sentirais fier si les choses s'arrêtaient là. Et Kaitera. Il n'aura jamais les mains propres. Ce sera toujours un espion. Nous ne pouvons pas continuer avec quelqu'un comme toi. Allez, sois réaliste. C'est bien ce que je pensais. Je pense qu'il ne sert à rien de discuter. Alors je me suis préparé pour faire face à une telle situation. Écoutez ça. Papa! Tifa! C'est Marlène? Hé, c'est la dame aux fleurs! La jeune fille aux fleurs! Bon, le seul moyen, c'est de m'écouter. Tu es une crapule. Je ne voulais pas en arriver là, moi non plus. Pas en utilisant des coups bas et en prenant des otages. Mais c'est comme ça.
Pas de compromis, alors continuons comme auparavant. Demain, c'est le temple des anciens. Non, je sais où il se trouve. Je vous le dirai plus tard. Naturellement, nous arriverons après la Shinra, mais il faudra faire avec. Eh bien, nous sommes coincés. On va être obligé de faire ce qu'il dit. J'espère que Marlène va bien. Je me demande ce qui a bien pu arriver à maman. Elixir. Alors les moments d'histoire, c'est un peu dangereux pour ma voix. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps, Clad? Et ouais, à propos du temple des anciens, je crois que si nous partons avec le Tiny Broco à l'est vers la mer, nous devrions le trouver. Eh bien, on peut se mettre en route. Qui va partir? Je vais y aller, je vais sûrement y aller. Bon, Aerys, on est obligé. Alors, 33, 34, 36, 33. Bon, on va prendre Yuffie. Alors, faut que Aerys. Ah oui, Tifa. Non, on pourrait prendre Tifa. Ça sera plus simple. Alors, Materia de Aerys. Tu vas échanger tes Materia avec Yuffie. Et rouge 13 avec Tifa. Ok, arrangé. Voilà. Alors. Destruction, mini, elle base. Couverture. Ouais. Pour l'instant, il y a des trucs qu'on ne sert pas. Peine de mort, Kedja. Glace 2. Vie, pose-moi. J'ai juste à verser ça et ça. Voilà. Aerys. Normalement, Aerys, c'est... Bijou de diamant, magie plus, vitalité, bijou de diamant. Ah, je peux peut-être ajouter une materia. Je peux lui rajouter. Alors attends, elle base. Oui, elle pourrait être. Attendez. Je réfléchis à comment je vais ranger ça. Si je mets ça. Ça, je mets ça là. Comme ça. Non. Et tu es un L-base. Protection glace. Ça pourrait être sympa. Ok. Et elle, tout, demi confus. Et ça, c'est quoi? Escape. Mini crapaud. Comment je peux lui ranger ça? Escapade, demi confus. Régène, feu. Tout feu.
Ouais, un truc comme ça, je suis pas sûr en fait encore de. Je suis pas sûr. Coup mortel, manipulé. Ouais. Ah oui, j'ai pas regardé les limites. Limites. Cloud, lui il est bon. Elle. Ah, il va falloir faire du sceller le mal. Ah, le sceller le mal, j'aime pas. Canaliser bloque les pouvoirs magiques. Ah non, non, il faut qu'elle tue des monstres en fait, elle. Vérifier. Ouais, en gros, les deux filles doivent tuer. Donc, placer elle là. Voilà. Bon, bah, on est parti. Alors, à plus tard. D'accord. Il faudrait qu'on aille. Je crois que c'est Speed. Je ne sais plus. Ce qui est un... Alors, s'il est gratuit, on peut le faire. Sinon, bah, on peut faire l'aventure tout de suite. Non. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais monter. Ah. Est-ce qu'il est encore gratuit ou pas ? Pas intéressé. Ah, j'ai changé. Ok. Bon, bah, on pourra plus le faire. Enfin, pour l'instant. Quand on aura un certain nombre d'argent, on viendra, on achètera des GP, on fera tous les jeux et tout et tout. Il faudra revenir. De toute façon, on a le pass illimité. Donc, quand on devra faire notre chocobo en or, on sera obligé de revenir pour faire les courses. Donc, tant que j'y pense. Ce sera plus ou moins du farming hein, avec les chocobos. Parce qu'en gros, il va falloir capturer deux chocobos. Par exemple, un rouge et un noir. Quoique, enfin, deux jaunes. Les accoupler pour... enfin, les faire gagner des courses. Pour les faire accoupler pour en donner un. Celui-là qu'il faudra accoupler avec un autre. Que tous les deux en course à SS. Ça risque d'être très long. Ça va être beaucoup du farming... Mais bon. Bah, allez. Au Gold Saucer maintenant. Hop, je regarde juste le chat si. Ah non. Bah non, j'ai cru que le chat il avait bugué parce qu'en fait, je voyais des trucs qui. Bah, il bouge pas en fait le chat. Donc, je sais pas. D'habitude, attends, le bot a, attends, 2h01, 2h13, 2h04, ah non, bah, ouais, non, c'est moi qui peut-être, oh, aha, alors Cloud, tu peux toucher la nouille, Iris, non, Tifa, sentir, Cloud, il va se toucher la nouille, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que... Attends, doux, pétrifié, hyper. Voilà, c'est bon. Cloud, il va s'amuser à balancer des potions. Oh, Iris a eu sa limite. Ah. Ah non, j'avais dit qu'il fallait que je fasse sceller le mal. Mince. C'est pas grave. Ah là là. Hyper, Tifa, Tifa, Iris. Ouais, on a gagné, on est content.
Bon, c'était pas compliqué, hein. Bon, il va falloir qu'on farme de l'argent quand même. Ah, j'ai pas prévu à boire, je commence à avoir mal à la gorge. Non, mais ça, le pire pour ma gorge, c'est faire rouge 13. Les autres, ça va encore. Mais c'est rouge 13, je suis obligé de forcer, en fait. Pour faire Batman. Désolé. Cloud, comme d'habitude, tu touches la nouille, hein. Pour pas changer. Bon, là, elles doivent farmer. Ah bah voilà, Kudo. Voilà, cool. Limite. Aéré. Vérifier. Attaque un adversaire. Ok. Configurer. Niveau 2. Mon bavion maintenant. Faut que j'aille dans mon bavion ou dans mon afto. Vous préférez quoi? Un bavion ou un afto? Faudrait qu'on lui trouve un nom fixe. Alors, ouais, c'est par là-bas. De toute façon, faut que j'avance niveau histoire, parce que sinon, on est qu'au premier CD, hein, je vous explique. Hein. Il y en a 3 des CD, donc... En fait, le plus long, c'est le premier CD. On pourra farmer dans la pyramide, au pire. Je suis en train de réfléchir. Le boss final de cette pyramide, il va me falloir de la glace. C'est le temple des anciens. Je sais, je le sens. La connaissance des anciens flotte. Vous pourriez vous unir avec la planète, mais la force de votre volonté vous en empêche. Pour l'avenir, pour nous. Que dis-tu ? Comprends-tu le sens de tes mots ? Non mais, on te parle, réponds ! Tu es mal à l'aise, mais ça va. Parce que je suis là, pardon. Je ne comprends pas. Je veux rentrer. Pourquoi il y a un mec bizarre qui vient de s'écrouler en haut ? De la matéria. Regarde. Le chiffre 9. Un autre homme portant un tatouage. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, dis-le? Ok. Ah. Hé, cette sangle. Sang, les Turcs. Je me suis fait avoir. Mon goût, me suis fait avoir. Ce n'est pas la terre promise que cherche Sephiroth. Sephiroth, il est à l'intérieur. Attention à toi. Mince, les chances ont commencé à tourner lorsque j'ai laissé partir Aerith. Salut chaton! Bienvenue sur le live des voix de Taos! On va faire le chinois aujourd'hui, le président avait tort! Tu as tort! La terre promise n'est pas comme tu l'imaginais! Et je vais pas offrir mon aide! De toute façon, la Shinra n'avait aucune chance de gagner! Oh, c'est dur! Je savais que tu dirais ça! Comment vas-tu, Saint-On? La clé de pierre, place-la sur l'autel. Elle est m'a reçu clé de pierre. Oh, oh, j'ai mal. Ah, oh, je vais mourir. Ah, oh, ah. Oh. Tu pleures?
et avec notre ennemi, les Turcs. Mais je le connais depuis l'enfance. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont... Donc, je pourrais dire ça. En fait, il n'existe sans doute qu'une poignée de gens dans le monde qui me connaissent vraiment. Moi, je veux parler à Tang. Je suis encore en vie. Bonjour, tu es encore en vie. Vous voulez des ramen? Ascensis-moi, oui, et toi? Si nous mettons la clé de pierre ici. Elle espace leur serrure quand même. Hola, hola. Je me téléporte. Ah oui, je me souviens de ce truc de merde. Ça va être très chiant. Des mots, des sensations. Il y en a tellement ici. Quel lieu étrange. Tu penses que nous sommes les bienvenus? Claude, je sais que ça va être dur, mais... Ne baisse pas les bras, nous pouvons y arriver. Alors, voyez l'espèce de machin bleu qui vient de se barrer? Il faut lui courir après. Vous allez vite comprendre l'arnaque du... Parce qu'en plus, il y a des combats, hein. Ça va pas être juste on court. Sinon, ça serait trop simple. Ça serait trop simple s'il y avait que des combats. Bon, Alors, je sais plus, sceller le mal, qu'est-ce que ça fait exactement? Je crois que c'est une limite, mais une limite à la con, en fait. Ah là là. Il lui reste combien? 600. Ok. Voilà. Ça fait un coup de plus pour Tifa. Youpi. Bon, niveau argent, ça va un peu farmer. Alors, attends. Que je réfléchisse. Pour aller là-haut. Parce que c'est un petit peu emmêlé dans tous les sens. Oh, t'es nouveau, toi? Je te connais pas, mais tu vas prendre cher. 1400. Ching. Waouh. Pa 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 pa. Un remède, ok. Alors... Ah, je suis bloqué là, ok. Si je descends... Ici. Je peux pas descendre là. Ah. Je suis bloqué. Je suis obligé de monter, en fait. Je suis en train de réaliser que je peux pas aller dans le sens que je veux. Il y a un ordre, en fait, je crois. C'est quoi de ces trucs-là? Moi, je sais à peu près c'est quoi, mais... éclair, en bio. En fait, Cloud, il sert à rien. Pour l'instant. Ça a 800 de vie, ok.
J'ai pas Aïe, ça me gratte le ventre. Merde, c'était pas ça que je voulais appuyer. Cloud. Non, mais pousse-toi, toi. On va se soigner quand même, hein. C'est bien gentil, mais voilà. Ouais, en gros, Iris, ça risque d'être difficile pour elle de tuer des gens. Ça va être difficile pour elle. Alors, bon. D'après ce que j'ai compris, si je monte là, il y a une question de perspective que je suis pas sûr de saisir. Oh, des petites grenouilles. Ça a 500 points de vie, les petites grenouilles. Ok, R de grenouille. Ça promet. Ah, si on reste des grenouilles, ça promet, quoi. Ok, on est tous des grenouilles. Ah, je sais pas, moi, y a des trucs bizarres quand même. Poison pétrifié. Tifa. Il faut qu'Iris les tue. Allez, Iris. Ok, c'est bon. Ça lui fait 2 kills en plus pour elle. Oh, mettez au train. Yes. Limite. Vérifiez, mettez au train. Attaque tous les adversaires. Oh. Ok, elle. Faudrait qu'elle tue du monde pour faire au niveau 2. Elle aussi, elle faudrait qu'elle fasse coup d'eau pour plusieurs fois, au moins 5 fois pour avoir le deuxième, ouais. Donc, réfléchis. Attends, il y a un ordre, mais je sais plus. Puis je vais pas regarder sur ma Solus, quoi.
Alors, Tufa. Combat. Attaquer. Clad, il sert à rien, donc... tant que Tifa et Eris ne foutent rien. Ah là là. Allez, vas-y. Iris, Iris. Oh, tu vas faire un soin quand même. Tifa, parce que là, commence à être long, hein, si tu fais pas des soins. Mais Iris, il faut pas rater. Elle rate ses coups, en plus. Voilà. Niveau soins, ça va encore. Mais non, mais fais pas rater. T'es teubé avec les mains ou quoi? Voilà, c'est bon. Elle est pas coordonnée avec ses mains, bras, jambes. Elle va se prendre un pied-tête tout à l'heure. Voilà. Elle fait... Ah, bah voilà, ils ont gagné du niveau, en plus. Voilà. Bon, alors. La solution. Je suis perdu, en fait. Je ne sais plus. S'il y en a qui savent, parce que je sais plus. Faudrait que je regarde un truc anti-poison ou anti-grenouille, parce que là... ça commence à être un peu chiant. Oui, c'est bon, elle a réussi à faire sa limite. Enfin. Ouais, ça lui fait deux kills pour elle. Ouhou. Elle est contente. Oh là là. On va aller loin s'il tape comme des sardines, quoi. La grenouille. Ah, plus de soin, ok. La grenouille. Clad, tu vas balancer comme une potion. Ah, on sait jamais. C'est bien gentil, mais ça commence à être un peu... Voilà. Balance une vraie potion quand même de temps en temps. Pain, 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 pain. Air de crapaud. Mais non, mais. Le pire, c'est qu'il m'attaque pas physiquement, quoi.
S'il m'attaquait au moins physiquement, je pourrais au moins répondre. Mais là... Faudrait que je mette un truc anti-poison et anti-grenouille. Je dois avoir un objet comme ça. Ça commence à... Hein ? Petite grenouille. Bon. Ils sont chiants, ils veulent pas faire du farming. Ah, vent guérisseur. Non, pas air de crapaud. Faut vraiment que je lui mette un truc anti-grenouille. Hein. Ça me saoule la grenouille. Les grenouilles, c'est chiant. Bon, en gros, c'est Tifa qui a tué les 4, quoi. Elle a fait 4 kills. Bon. Regardez tout de suite pour faire... Équipement. Alors, j'ai pas un truc anti-crapaud. Vas-y. Protège du poison obscurité. Pétri à grenouille mini. Donc, toi, on va te mettre... Poison. Et toi, grenouille mini. Voilà. Je suis bloqué. Attendez. Je réfléchis et je prends mon truc. Voilà, j'ai repris mon bouquin où qu'il y a la soluce. Parce que en fait, j'a suis perdu. Il y a un truc que j'ai pas compris. Alors, attends, on est sur Final 7. Concernant la terre des anciens. Junon, Corel, Youpi, Nibelheim, Os. Ah, trop loin. Les ossements. Retournons. Traverser le labyrinthe, avancer, tourner à gauche, avancer un peu, tourner à droite, descendre le long des escaliers, tourner à gauche. Ah, attends. On va reprendre le truc. Alors, il dit labyrinthe. Tourner à gauche. Il y a peut-être un truc que j'ai pas fait. J'ai peut-être raté un chemin, en fait. Ah! Imaginez que c'était là en fait depuis le début. Voilà.
Non, c'est pas ça. Avancez, tournez à droite, descendez long des escaliers. Donc il dit, il faut tourner, là, on descend les escaliers. Tournez à gauche, avancez encore, allez à droite, descendez le long du nouvel escalier. Ah, mais non, mais moi, je vais suivre... Ah ah, ça marche pas ton truc. Ouais. Pour l'instant, c'est... Pas que c'est problématique, mais pas loin, en fait. Il n'y a pas de... En fait, ils ont l'air de pas avoir... Alors, descendez les premiers escaliers. Attends. Ah, descendez les premiers escaliers. Tournez à gauche, avancez encore, allez à droite. Tournez à gauche. Je suppose que c'est ça. Là, bla, allez à droite. Ça, c'est censé être la maison. Ok. Ah. Oh, lui, il peut être sympa. On va se faire un guéri. Ah ben non, mais on va lui pourrir la tête, hein. On lui a mis je sais pas combien dans la bouche, mais là... Oh, guéri plus 1. Ça veut dire que j'ai... Ah, oh, je crois que j'ai une nouvelle magie. Ah, Izuna, oui. Attends, Materia. Attends. Elle base... On va lui mettre tout. Poisona. On va le mettre là. Comme ça, ça fait tout Poisona, vie, glace. Elba, ça sert à rien. Comme ça, magie, elle. Voilà. Ah. Ça, c'est ça. Là, c'est le bâtiment. Ça, c'est le truc qui est là. Il y a un truc que j'ai pas tout compris, en fait. Par rapport au machin. On va faire sceller le mal. Allez, Iris, tue le dernier. Voilà, c'est bon. Donc.
Il y a un truc, en fait, que je comprends pas. Ah, attends. Il y a des lianes. D'après ce que j'ai compris, il y a des lianes quelque part. À part faire poison. Ils font pas grand chose en fait. Allez, tue-le! C'est bon. Ok. Donc, j'ai pris trident. Alors, attends. Dans le coffre... Attends, le trident, c'est pour... ok, je sais c'est pour qui trident. Grimper le long de la liane, aller à gauche. Alors attends. J'ai avancé, il y avait trident. Et le long de la liane à gauche. Pas sûr de tout saisir, mais bon. On l'a tué. Mon tout a gagné un truc, ok. Alors attends, là. Je suis censé être où là en fait? Attends, l'escalier il est là. Attends, prenez le trident encore, grimpez le long des lianes. Grimpez le long des lianes à gauche. Et le long des lianes.
Et aller à gauche. Je crois qu'il y a, il y a une erreur dans la traduction. Parce que... Hein, avoir une erreur dans la traduction parce que il y a un truc qui marche pas comme comme sur le bouquin. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Ah là là, prenez le trident dans le coffre. Grimpez le long des lianes. Grimpez le long des lianes. Bah, je veux bien, mais il parle de quoi? Je crois qu'il y a un souci, hein. Bah, je veux bien grimper le long de la liane, mais tu m'as pas dit c'était laquelle, le jeu. Ok, ça fait une nouvelle mort pour Iris en plus. Barrière plus, ouais. À moins qu'il parle des lianes qui soient là. Ah, d'accord. Ok. Il y a un truc bizarre qui était apparu, ok. Alors attends, grimper le long des lianes et à la gauche, descendre le long des escaliers. Scellé, ce bruit me rappelle des souvenirs. Ok. Non, mais... Attends. Là, à gauche, descendez le long des escaliers avant et franchissez la porte. Ok. Oh, oh. Oh. Une nouvelle mort pour Iris. Cool. Éther turbo, ok. Descendez les escaliers. Okay. Ah, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est pas ça. Si, c'est ça, mais... c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Descendez, avancez, franchissez la porte, prenez le pistolet avec le vieil homme et suivez-le, franchement, dans le grand couloir sous les pierres vont... Il y a un truc que j'ai pas tout suivi, mais on va dire oui. On va dire qu'on est d'accord. Je crois que je suis bloqué dans quelque chose que je vois pas. Attends.
punch foudroyant. C'est quoi ça? Élément punch foudroyant, est-ce que c'est... Ah, punch foudroyant. Alors, ils disent quoi? Prenez le pistolet et avec le vieil homme, suivez-le, blablabla. Mais il y a un coffre que j'ai raté. J'ai raté un coffre. Il y en a un qui est protégé au poison et l'autre contre, protégé des, du mini. Bon, allez, je dirais. Allez, Tifa, soigne un peu les gens quand même. Au pire, tape les gens, quoi. Non, ça marche pas sur elle, on a dit. Non, on avait dit que ça marchait pas. Elle est pas transformée, elle est juste endormie. Ah. Bon, vas-y à Iris quand même. Si elle arrive à faire sceller le mal, ça serait bien. Bon, bah c'est long en fait. Hein. Je pense que la prochaine fois, bah, je peux même pas faire une invocation en fait. Mais arrêtez de l'endormir toutes les 3 secondes! Oh, les mains! Je crois que je vais commencer par les grenouilles en fait. C'est les grenouilles qui m'emmerdent depuis tout à l'heure. C'est, vous remarquez que sans les grenouilles, c'est beaucoup plus efficace quand même. Hein. Ça marche beaucoup mieux sans les grenouilles. Hein. N'est-ce pas? Gravité 1. Gravité, je ne sais plus il fait quoi, gravité. Magie. Gravité... Ah, demi-2, ok. Ok, alors, ce coffre-là. Ok.
Là, je suis censé arriver près des escaliers, là. Pour aller à la porte en bas. Non, c'est ce que j'avais compté en fait. On passe là, là, là on récupère l'arme de Barrette, on descend, on remonte à l'autre truc. Ouais, non mais c'est ça, c'est ça. C'est, on n'est pas perdu. C'est pas vrai, on n'est pas perdu. On sait juste pas où on est, mais on n'est pas perdu. Il y a une différence. Ah là là. Donc, attends. Ça, c'est un poteau. Pourquoi je suis bloqué? Ah oui. Je vais dire pourquoi je suis bloqué dans le poteau, mais... Ok, là, là, on descend, on passe là. Hop. Il faut qu'on monte là. Et... Ah! Je suis tombé. Oh, ça va, lui, il est sympa. C'est pas trop un salaud, lui. Ça va. Ah, j'ai mon truc qui est tombé. C'est quoi ça? Non, c'est bon. C'était rien de particulier. Ah! J'allais dire, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Alors, je pensais pouvoir. Attends, je suis là. Attends. Je suis là. Attends, ça c'est le truc. Donc, je suis censé arrêter. Attends. Ça c'est l'escalier. Si je vais en face. Non, ça marche pas comme je veux. Pourquoi j'arrive pas à aller sur le truc là en face? Ok, ça c'est fait. Alors attends, je regarde. Couloir de pierre, étrange horloge. Bon. Bon, il y a des trucs... C'est la matéria en fait qui est en haut qui me gêne à... J'aimerais avoir la violette en fait. Et ça me saoule de pas la voir en fait. Allez, tapez-le, les filles.
Bah voilà, c'est bon. On gagne, on gagne. Bon, je vais... Attends, Voilà, là, là... On va aller dans l'horloge. On va faire comme ils disent. Trans. Ah ouais. Ok. 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 Puh, nous avons réussi. Tout le monde va bien. On peut dire que ça nous a coûté. Oh non, Claude, viens vite. Quoi encore? Dépêche-toi, par ici. Oula, oula. C'est quoi? C'est un passage secret? C'est une téléportation? C'est... Dis-moi tout. C'est tout plein du savoir des anciens. Non, pas du savoir. Oui, conscience. Une âme vivante. On essaye de me dire quelque chose. Je m'excuse. Je ne comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un danger? Une conscience mauvaise? Comment? Montrez. Vous allez me montrer? Moi, j'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce qui se passe? Attends, regarde, ça va commencer. Tsang! Qu'est-ce que ça? Ah non, elle est pas chinoise. Tang, c'est la fille, c'est Elena. Tang, qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous pouvons le droit de retrouver la Terre promise? Oh, donc, Thomas demande. En tout cas, on doit faire un rapport au président. Tang, c'est un chinois. Fais attention, Tang. Ouais, t'inquiète. Hein, moi, j'en ai vu. Elena, qu'est-ce que tu as dans les dîners quand notre bureau sera terminé? T'offrirai un bol de riz. Merci beaucoup. Alors, tu veux bien m'excuser? Ça, c'est la terre promise. Non, c'est impossible. C'est suffisant. Il nous regarde. Attention, derrière toi, Tsang, c'est affreux. Attention, Tsang, il y a Sephiroth, retourne-toi. Sephiroth. Ah merde, je sais plus, il a, on lui a fait quoi comme voix? Il a pas une voix d'allemand, lui. Je sais plus, il avait quoi comme voix, Sephiroth? On le voit pas souvent en fait. C'est la voix du grand méchant, c'est. Bouah! Alors tu as réussi à ouvrir la porte? Bien joué. Cet endroit, hein, qu'est-ce qu'on sait? Une mine de connaissances perdues. La sagesse des anciens. La connaissance. Je ne fais plus qu'un avec la planète. Ah, avec la planète? Bandidio, vous n'y arriverez... Vous n'avez jamais songé. Toute l'énergie spirituelle de cette planète, toute sa sagesse, sa connaissance. Je vais me fondre dans tout cela. Je ne ferai plus qu'un avec tout cela. Tout cela ne formera plus qu'un avec moi. Je serai tout, je serai Dieu. Toi, on est capable?
Tu veux pas un bol de riz ? Le moyen, le voici. C'est la mort qui vous attend tous. Mais n'ayez pas peur. Car c'est à travers la mort qu'une nouvelle énergie spirituelle est née. Bientôt, vous vivrez de nouveau par moi. Moi, Non, mais je m'éclate à fait de Sephiroth. Je m'éclate. Il est trop fort. Il est trop bien. Tu as vu ça? J'ai vu ça. Où est la salle aux fresques murales? Nous y sommes presque. Sephiroth est ici, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'il pense, ça s'arrête ici. Je le ferai sortir. Nous sommes là aussi, tu sais. Bon, allez. Ah oui. C'est le souvenir de Sephiroth. On le voit qui bouge, hein. Ah. Il a sauté, il est parti. Un vieux. Faire une pause. Sauvegarder. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas sauvegardé. Bon. Eh ben, sur ce... Attendez. Les gens, je vous dis merci à tous d'avoir regardé ce live, d'avoir participé, commenté. Mais je dois partir, en fait. Normalement, j'aurais dû arrêter à 3h30, mais là, j'ai le point de sauvegarde à ce moment-là, donc je vais sauvegarder là. Donc, sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir participé, et je vous dis sûrement à ce soir pour la suite. Sur ce... À la prochaine !